Depuis la nomination Day, samedi le 17 août, pour l'élection partielle dans la circonscription numéro 7, à ce jour, la population est dans l'attente. Les 43 993 électeurs de Piton-Rivière-du-Rempart seront appelés à élire leurs représentants mercredi 13 novembre prochain. La question qui reste posée est toujours, va-t-on réellement vers une partielle ou carrément vers l'élection générale? Voilà les réponses du Premier ministre. Me dire, pas pressé, élection, pas de sitôt. Seulement, livré, chaque jour qui peut passer. Mais chaque jour nous rapproche nous un peu plus d'une élection générale. Pravin Jagnat vient déclarer qu'élection générale, pas pour venir de sitôt. Automatiquement, le 22 décembre, le Parlement mort pas lui-même. Naturellement, c'est la prérogative du Premier ministre. Autre question qui trotte dans les têtes des Mauriciens, c'est la question d'alliance. Voyez ce que vous pouvez. Donc, nous nous faisons aller pour gagner. Pour gagner l'élection, pour faire un gouvernement. Le gouvernement fait tellement peur qu'il va aussi pas et que nous avons la mort ensemble. Moi, je trouve une frayeur extraordinaire sur le gars du trac. Mais moi, je ne suis pas un finaliste, non. Il y a un gros travail, c'est ce qu'il y a à moi. Mon Dieu, où d'habitude là, nous veut, c'est faire l'alliance avec Diboun, parce qu'il faut être là dans la main Diboun. Oubliez ça d'affaire PMLD pour faire marche-pied là, hein. Oubliez ça. Nous pourrons aller prochaine fois égal, égal, minimum. Vous êtes d'accord, là? Oui. Minimum. Du monde qui dit même une diamant et tout connaît, mais nous tournons la ronde, on se rappelle en zis. Moi, je vais mettre mon programme en action, là, pour ça même, je vais dire, travailler, je crois, tout seul. Force est de reconnaître que depuis l'ère de pré-indépendance, même post-indépendance, c'était toujours des gouvernants de coalition qui ont dirigé Maurice. Patience! Quand les élections générales doivent se faire dans quelques mois. Alors on saura qui a dit la vérité.